Bonjour à tous et bienvenue sur Girondin TV. J'espère que vous avez passé une excellente fête nationale. Aujourd'hui, sur la plaine des sports du Haillan, les Girondins se sont entraînés ce matin. Et puis, je vous le rappelle qu'ils disputeront un match amical contre Angers demain, jeudi, à 19h. Ce match se jouera au stade Le Parco à La Rochelle. Et puis, bien sûr, on va revenir sur cette rencontre amicale ce dimanche en Belgique face à la Gantoise, le champion de Belgique en titre. Un match intense où nos Bordelais se sont inclinés sur le score de 4-3. Les buteurs girondins sont Cheikh Diabaté, Henri Cévé et André Poco. Je vous propose de revivre les moments forts en musique. Yo, on the real, your boy is a hip-hop player. But for this joint here, I play the role of King Slayer. See, toe-to-toe, blow for blow, we can fight, G. But word to Jamie, there are no other men like me. This industry is in a roughed-up state. Cats front so tough, you call the bluff, they fake. And we all know it too, we just love to pretend. Use my tongue as a sword, slice it with the pointy end. And friends can turn to enemies in an op link. My click together firm like a master's chain link. We got skills and yes, we're so ill. Our brotherhood was formed underneath the hollow hill. For real, shit so sad, it's almost funny. Young niggas, little fingers, steady chasing after money. Dummies, I do it for the love like Stark. And sit alone with my honor in a dungeon in the dark. In this Game of Thrones, it's eye for eye. There is no middle ground, you either win or die. You gotta watch the cats who watch your back. You can get hit quick, man, and that's a fact. Politics and bedfellows, what's real, who's fake? The surprise in your eyes. Quel match et quel but d'Henri Cévé. Bravo aux Girondins qui ont disputé une très belle partie. D'ailleurs, je vous propose d'écouter les réactions d'après-match du coach Willy Sagnol, d'André Bioko Poco, d'Henri Cévé et Greg Sartic au micro de Benjamin Desfossés. C'était un très bon match face à une très bonne équipe. Donc on a donné ce qu'on pouvait. Surtout qu'on est en phase de préparation. Il y avait du jeu, il y avait de l'envie et la détermination. Chacun de nous a eu le temps de jeu qu'il a pu avoir aujourd'hui. Donc on attend les prochains matchs. Il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. Après, c'était juste notre deuxième match. C'est une équipe qui est prête aussi quasiment pour leur championnat. Donc physiquement, on a senti à un moment donné il y a une différence contre eux. Donc voilà, nous, on va continuer à travailler parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. On commence à récupérer les joueurs les uns après les autres. Donc c'est intéressant parce qu'on est en train de faire des bonnes choses, donc il faut continuer dans ce sens-là. Second match de préparation, on sait que c'est une équipe qui était bien physiquement parce qu'ils reprennent, je crois, le 24 août, donc dans deux semaines. Donc on a vu une équipe très, très physique qui était bonne dans l'impact. Mais après, on a proposé du jeu, je trouve, et on s'est créé pas mal d'actions. On a changé un peu notre système de jeu, donc voilà, ça a valorisé un peu le jeu vers l'avant et on a pu placer nos attaques. Maintenant, faut retenir le positif, c'est-à-dire bien travailler. Comme je dis, on est encore en période de préparation. Il nous reste aller trois semaines avant la première échéance qui est très importante, le tour en Europa League. Donc voilà, continuer à bien travailler, c'est sur des matchs comme ça qu'on va continuer à bosser et à apprendre. Bien avec Nico, il y a une bonne entente, c'est sûr. Après, bon, moi c'est toujours le fait de jouer défenseur central. Comme on dit, je dépanne à ce poste-là, ça me déplaît pas non plus. Parce que tu as le ballon, tu peux, moi ce qui est bien, faire des changements d'aile, donc ça facilite ça. Et après, ça me permet aussi d'être meilleur dans les duels, que ce soit à la tête ou au sol, donc c'est bien. On va continuer, et pourquoi pas avoir à ce poste. Peut-être dans le courant de l'année, je vais le réutiliser, donc bien m'entraîner avec des matchs bien sûr comme ça. L'objectif de faire un peu jouer tout le monde, de donner du temps de jeu à tout le monde pour que chacun continue un petit peu sa progression athlétique, c'est un objectif qui a été atteint. Je dirais que même, surtout la première mi-temps, a été largement au-dessus de nos espérances, parce qu'on n'a pas travaillé le jeu encore, que ce soit les animations offensives ou les animations défensives, on les a toujours pas travaillées. On a vu qu'offensivement c'était très bien, que défensivement en deuxième mi-temps on a eu quelques petits oui. problèmes, mais bon, je mets ça surtout sur le compte que
Que la Gantoise, c'est une équipe qui a déjà fait beaucoup de matchs amicaux, qui reprend le championnat dans une dizaine de jours, qui a quasiment 3 semaines d'avance par rapport à nous dans la préparation, donc c'est plutôt logique. Je dis même s'il y avait eu quand même 2-3 décisions un petit peu différentes, le score aurait été certainement différent aussi. Voilà pour les réactions d'après-match. Quelques nouvelles de Yaroslav Plazil qui souffre d'une petite tendinite. Il semble aller mieux. Il a entamé hier un travail de réathlétisation, mais est resté aux soins l'après-midi. Quant à Diego Contanto, il était de retour sur les terrains hier. Au programme de cette semaine, je vous rappelle, nos joueurs vont accélérer leur préparation et rencontrer deux équipes de Ligue 1 en match amical contre Angers demain, jeudi à 19h au stade Le Parco à La Rochelle, et vendredi contre Guingamp à 19h au stade d'honneur de Royan. On reviendra bien sûr sur Girondin TV sur ces matchs. Et puis demain d'ailleurs dans votre émission, interview exclusive pour vous de Cheikh Diabaté. À demain et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.